Ça va, toi? Il faut que tu comprennes. Quand je conduis, j'ai une sorte de pouvoir sous mes pieds. Tu veux me tester? Vas-y, pas de problème. Mais dès que j'entends, sortez du véhicule, madame. Le pouvoir est à eux. Alors que le problème des courses clandestines semblait en passe d'être résolu, un groupe de voitures a semé la pagaille la nuit dernière dans les rues de la ville et causé pour plusieurs milliers de dollars de dégradation. On craint maintenant de nouveaux incidents. Cela montre bien que mon unité spéciale est plus que jamais nécessaire. Maintenant, encore plus qu'avant. Ces actes sont impardonnables. Et je vous promets solennellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se reproduise plus jamais. Tu sais, ça ressemble au genre de truc qui fait qu'on... on veut se faire remarquer. Non, c'était rien. Ça te manque pas? Non. Tiens, tu peux me passer ça. Anna dit que t'étais bon. Assez pour la Ligue. Pourquoi t'es parti? Ah, je sais qu'elle comprend pas. Et moi, c'est pas sûr. Mais il y a des conséquences. Plus graves que de perdre son crew. Tu sais, après cette nuit, moi je suis épaté qu'elle soit pas là à se vanter. Ouais. La fatigue, je pense. Hein? C'est libre. J'ai peut-être un truc pour toi. C'est quelqu'un que je connais plutôt bien. Et il veut te voir à l'œuvre. Il a le bras long. Tu devrais y penser, ça peut valoir le coup. Cool, je vais voir ça, merci. Pas de soucis. J'en étais où? Salut, je me présente, Raziel. Anna m'a donné ton numéro. Je t'explique. Ici, quand mes clients veulent une chose, je fais en sorte qu'ils l'obtiennent. Enfin, avec l'aide de quelques amis. Un bon conducteur, par exemple. Écoute, le contrat est simple. Le client fournit la voiture, et en échange, tu lui fournis ton talent. On m'a dit qu'il y aurait même quelques bonus à la clé. Je t'appelle dès que j'ai besoin de toi.